tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc, vous l'avez vu, comme sur la partie 2. Vous aurez à la fin de la vidéo la partie 1 de With Flower, qui est une démo. Le jeu n'est pas encore sorti. Il sortira en 2022, mais on n'a pas de date précise. Donc, si vous voulez un peu plus de renseignements sur le jeu, je vous invite à regarder à la fin la partie 1 de la démo. C'est un jeu très sympa. Donc, on en était resté là où je devais dormir. Moi, c'était balader un petit peu, on avait découvert le phare, quelques villageois, il nous en reste encore à trouver. Donc on va dormir, puisqu'il se passe des choses étranges la nuit. Et oui, je tourne la vidéo en suivant, donc mon problème de mâchoire n'est pas encore résolu. Hein. Donc vous allez encore m'attendre un petit peu chuchoter. Hein. Donc ne m'en voulez pas. Allez, on dort. Là, on n'a pas eu d'animation la nuit avec le personnage un petit peu bizarre. Donc, on va arroser les patates comme d'habitude, à moins que la grand-mère ait quelque chose à nous dire. Oh, are your allergies acting up? Oh, no, it's all the dust in the front room. But sweeping makes my back ache. So, I've turned a blind eye for months now. But that's exactly what I'm here to help with, Grandma. Then, would you mind showing those dust bunnies the front door? There's a broom in my room you can use. You wait out here. Those dust bunnies have no idea what's coming for them. I'll have to move this rug to make real headway. Whoa! Is that an... actual trapdoor? Jeez, Grandma, what are you keeping down there? La grand-mère a des petits secrets pour nous. Trapdoor under the rug. Hmm? What is it for? Preserves and pickles? Or old machinery? It's not important, honeybee. Would you be out and about tonight? Probably, but I... Could you fetch me some moonflower? It only blooms after sunset. You'll know it by the white blossoms. See, my moonflower tea blend makes me feel so healthy. I get a blush on these old cheeks. Go right past Parker's workshop into the woods and you'll find what you need. I feel like I'm getting redirected here. At my age, it's awfully hard to hear certain things. Did you put the rug back in place? Yes, Grandma, but... But are you brewing... moonshine down there? You can tell me if you're brewing moonshine. I can already taste that tea. That was normal. Elle évite la conversation, la mamie. Donc faudra qu'on aille dans les bois cueillir des fleurs de lune. Elle est bien mystérieuse, mamie. Donc on va arroser les patates, on va pas oublier. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, on lui en a donné des petits champignons. Il nous en manque un. Il faut aller dans les bois. Au niveau des personnages, il nous en reste 4 à découvrir. Alors, on a des infos au niveau des personnages. Donc, par exemple, pour Amira, je pense qu'il va falloir ou acheter ou vendre. Ou on aura des quêtes sur le tableau pour lui ramener des choses. Donc, elle a 38 ans. C'est le docteur du village. Elle a du style, de l'assurance, de la conversation. C'est la plus magnétique de l'île. Ok. Ensuite, on a Angus. Alors, il y a des petits cœurs comme ça. Donc, je pense qu'il faut... monter notre amitié avec, soit en discutant avec eux, soit en allant acheter leurs produits, soit en faisant leur quête sur le tableau, et monter leur amitié comme ça. Alors je ne sais pas si ce sera comme dans My Time of Portia, où on peut avoir une romance dans le jeu. J'ai un petit doute là-dessus, mais bon, on verra quand le jeu sera sorti. Et voir aussi si le chat, vous voyez, on a trois cœurs, voir comment ça va se passer. Là, le boulanger... c'est le fiancé de Francis, bon, il est comique. Bruno, c'est celui qui s'occupe de la pêche, magasin de poissons et de pêche. Cameron,
Il y a un rassemblement tous les dimanches de 10h à midi. Donc, il faudra aller jeter un œil. Il est beau, charmant. D'accord. Le chat. Donc, on pourra l'amadouer, par exemple, en lui donnant du poisson, du lait. Et là, je pense que c'est un autre poisson. Je ne sais pas exactement. Le dessin n'est pas net. Daemon. Il tient la taverne. Enfin, le bar. Francis. La boîte à bijoux. Le magasin de bijoux à côté de la boulangerie, les fiancés à Angus. Intelligent, créatif. Donc, on jette un œil. Vous voyez, tous les cœurs et la mamie sont montés. Hein, donc, je pense qu'il faut faire pareil avec tout le monde. Elle a 82 ans, hein, notre grand-mère. Hein. On ne l'avait pas vue depuis 20 ans. Juliette, elle a 13 ans. Elle fait plus petite. Hein. C'est la fille de Sofia. Et elle a perdu son papa, Giacomo. Timide. Rien n'embarrasse, mais brillante guitariste et peintre. Au niveau de Kim, la bouchère, traiteur, 28 ans, est arrivée il y a un an pour ouvrir la boucherie. Personne réservée, distante. Qu'est-ce qui se cache sous cette apparence rugosité? Alors, des fois, la traduction en français n'est pas terrible. Il y a eu des erreurs, vous avez pu le voir tout à l'heure. Tu parles français alors qu'il parlait espagnol, mais enfin bon, c'est des petits détails, je pense, qui seront réglés quand le jeu va sortir. Donc l'épicière, qui est Lina, donc elle vend des graines, des légumes, des ustensiles de cuisine. Elle a 40 ans, elle est avec son mari Parker, la mère des jumeaux Amy et Finn. Elle est fiable et professionnelle et elle était ma baby-sitter quand j'étais petite. La forgeronne Nathalie, 36 ans, elle est forte, capable et joyeuse, mais elle a l'air de beaucoup se sous-estimer. Vous voyez? Alors, le maire, je pense que c'est des cadeaux qu'on peut leur faire, ça, pour monter notre amitié avec eux. Alors, il y a des réunions communautaires occasionnelles, passer dire bonjour au maire, c'est Marie Vanessa, sympa, mais est-ce que c'est une façade? Alors, ici, Parker, c'est le fils de la boule, le mari, pardon, de l'épicière. Il a deux enfants. Il est calme et compétent. Sébastien, 16 ans, le frère de Violette. Il travaille au restaurant les après-midi. Il lui tarde de quitter Fairhaven. Oui, parce que Wildflower, c'est le nom de la maison. Et le nom de la ville, c'est Fairhaven pour explorer le reste du monde. D'accord? On a Shelby. On ne connaît pas son âge. Mystérieux, vit dans les bois. Les gens ne savent pas très bien quoi penser de lui. Peut-être pourras-tu éclaircir ce mystère, ou il y aura différents mystères à éclaircir. Sophia, elle tient le café. Elle est chaleureuse, bavarde. Elle est la mère de Juliette. Et sa spécialité, la cuisine italo-juive. Thomas, qui n'était pas très gracieux, celui qui avait la grande ferme, il a 40 ans, il est le propriétaire de la ferme, très discret, ce qui est considéré par les autres villageois comme suspect, mais ses voisins comme Hazel Wild savent que c'est un homme charmant, malgré son silence. En tout cas, nous, il n'a pas été cool avec nous. Et Vanessa, qui est la prof de l'école de Farawen, elle est la femme du maire. Donc, première dame de Sarawen, une position adaptée à sa personnalité raffinée et ambitieuse. Il nous en reste 1, 2, 3, 4 à trouver. Ici. Donc. Alors, rends-toi dans les bois et cueille une fleur de lune. Donc, ça, c'est pendant la nuit. Il faut attendre que les patates montent. Retourner revoir mamie. Donc, on va retourner voir mamie. Hop! Just yet. Ah yes, j'ai pas ramassé de bois. Oh. Pas tout de suite. Alors, on va casser du bois. Vous voyez en haut la petite barre d'énergie à chaque fois que je fais quelque chose. Elle diminue. Donc, faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur la carte? On va remonter par curiosité pour voir la hausse qu'il y a.
Il me semblait que j'étais montée. Donc en allant tout droit, on peut aller voir en haut pour débloquer la... Ah non, il y a le pont qui est cassé. Je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir passer. Donc on peut pas pour le moment accéder au haut de la carte. On va aller voir en haut à droite peut-être. Et si on croise des villageois qu'on n'a pas vus, bah écoutez, on va en profiter. En quête, on a quoi? Lui, il veut un champignon rouge et lui du bois. Donc on, si on le trouve au passage, on lui donnera. Hop. Je peux pas sprinter plus vite. Hein, non. Apparemment. On les a tous rencontrés. Lui, on l'a vu, le bijoutier. Hola. Hey, new girl, how's farm life treating you so far? I'm still figuring everything out. Well, let me know if anyone ever repairs the entrance to the mine by your farm. I run the jewelry shop, but it's a bit hard making jewelry without actual jewels, you know? Crafting beautiful pieces is one thing, but sourcing the stones is tough. I'll let you know. Ok. Donc on a monté un petit peu en discutant notre amitié. Donc là c'est fermé. On va aller voir le maire. Do you ask every new resident to play the meet everyone game? Oh yes. After all, that idea won me third place in the icebreaker innovation category at the annual mayoral convention. Congratulations. Oh hush, it's hardly worth mentioning. On a monté un petit peu en leur, parlant notre amitié avec eux, ici. Oh my gosh, you better be Tara! Hazel's been hyping you up for weeks now. Well, now I'm embarrassed. Don't be, it's sweet. I wish I had a grandma here to talk about how great I am. Anyway, I'm Violet. Pleased to meet you, Violet. We don't get too many new faces around here in Fairhaven, so let me know if you ever want to hang out. Ok, donc on a rencontré Violette, la fleuriste. On va lui parler. Hey, have you tried Kim's butcher shop yet? There was nowhere on the island to get good bacon until they came along. Now Kai and I can have ourselves a breakfast with the works on the weekends. Ok. L'école. Ah. Hello. Are you my mom's new friend? Depends. Who's your mom? Luna. Then yes. Nice to meet you. I'm Tara. Nice to meet you too. I'm Finn. Hello. You're a stranger. Yes, I just moved here. I'm Tara. What's your name? Annie. Well, now we're not strangers anymore, are we? Hey, so my mom says your grandma's sick, and that's why you came here. Yeah, I came back to take care of her. That's nice. I visited my Nona in Italy when she got sick, too. Well, technically she was my dad's Nona. I'm sure she was really happy to see you. I don't really know. I don't speak Italian, so I didn't know what anybody said. At least you and Hazel speak the same language. That's a good point. Il nous en manque qu'un seul à découvrir. Good to see you again. Hi. Have you seen the notice board in front of town hall? There are always lots of ways to help out in the community. Oh yes, I saw it. Wonderful. I'm sure your neighbors will appreciate you lending a hand whenever you can. Okay. Hazel is a dope old lady. You're lucky having a grandma like that. What? Not a big fan of your own grandparents? My mom's parents died when I was little, and my dad's parents can't visit much because of visa problems. Oh, I'm sorry for bringing it up. Nah, it's cool. Hazel's the communal grandma. Alors, au niveau du village, on en est où?
Il nous en reste combien? Un seul. Il va être bien caché, lui, je le crois. Je le sens bien. Il va être bien caché. I know what you must be thinking. Why does old Shelby live in the woods? Oh, well, it's really pretty and it's quiet. Don't patronize me, Missy. Truth is, there are riches here the untrained eye can't see. You bring me forageables and I'll pay you fairly for your troubles. I don't mind helping you out. You don't have to pay me. I'm a hermit, not a pauper. Don't need charity from no one. My bones may be getting old, but my mind's as sharp as a... sharp as a... Attack? Don't interrupt. Young folks these days, no respect for their elders. Il y a aussi beaucoup d'humour, hein. Donc on a monté un petit peu notre amitié avec lui. On va aller... On va lui rendre sa quête, hein. Hey, Parker. Quick question. Did the mayor make you play a game to meet everyone when you first moved here? Well, Otto wasn't mayor back then. It was Violet's dad, Antonio Miranda. And no, I don't think he asked me to do that. It might have been useful, come to think about it. Some folks are harder to get to know than others. Et là, qu'est-ce que c'est, donc? Alors, on peut acheter une cabane à outils ou une parcelle de potager. Ok. Je suis passé devant le tableau des quêtes et j'ai pas regardé. Bah écoutez, on va prendre, hein. On va tout prendre. Donc il y a énormément de choses à faire quand même, hein. Qu'on n'a pas... Non, il nous manque des coquillages, de la terre. On va en profiter pour monter notre amitié. If you ever have extra baked goods to sell, let me know. I'm always happy to mix things up for my customers. Ok. On va aller parler à la dame forgeronne. Hello again. Hi. You know, you don't see many blacksmiths these days. Yeah, I know. Well, my great-grandpa was a blacksmith, so I guess you could say it runs in the family. Of course, he died before I was born, but it's his hammer I've got. That's really cool. So your family taught you? Oh, nah, I'm self-taught. A city export like yourself. It's harder work than sitting at a desk, but it's more rewarding. You'll come to love it here. I'll see. Okay. Donc on a monté l'amitié avec elle. Donc on va aller vers les bois. Sachant qu'il faut attendre minuit. Enfin, que la nuit soit tombée pour pouvoir trouver les fleurs pour notre grand-mère là. Donc on va se balader un peu. Hop, on va aller parler là. If you decide to go into ranching, you can sell me any animals you have. I'll give you cash and some of the meat. I guess it's tough coming from a city to learn how the sausage is made. Yeah. Oh, where I come from, it's not talked about so much. I understand. There's lots of stuff we don't talk about in the open here, too. Like what? Yeah. I have to get back to work. Il y a du mystère là-dessous. En tout cas, l'hémographisme, c'est très bien fait, je trouve. Au niveau de la boucherie, les saucisses en haut, là, attachées. La petite déco ici, les outils de travail. C'est vraiment bien foutu. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aurais pas vu vos retours encore, hein. You're a recent arrival, right? Did Otto have you play that meet everyone game? He sure did. But I found it a good opportunity to introduce myself and the league's mission to the town. Before I knew it, I had 4 new members. Okay. Hi, are you settling in okay? I'm still figuring out my way around and meeting everyone. Well, take your time. A new town can be overwhelming.
And some of the folks here are a little more overwhelming than others. Ok, donc on monte notre amitié ici. On va aller parler là. Your grandma was always good luck on a boat back in the day. She had a heron's eye for spotting fish. But how can you see fish if they're underwater? She hasn't taught you much, has she? Potatoes? Here, take this rod. Keep your eyes peeled whenever you're near water for the shadows of swimming fish. When you see them near the surface like that, you know they're feeding. Trick is to get one of them to nibble on your hook instead of the bait fish they're chasing. How do I do that? You'll need some bait. Here are some worms. You're not the squeamish type, are you? You gotta hook your bait and cast your line. You'll feel when you got one, and then you reel it in. Wait, back up. How do I cast my line? You'll get the hang of it. The lake in the forest is a nice place to start. But take care, you hear? Don't go in those woods after sunset. I've seen things, well, you wouldn't believe me. My boy Otto didn't either till he saw it for himself. Just stay safe. And come back and see me after you've given it a few tries. Ok, donc on a une canne à pêche. Remember, keep your eye out for fish swimming in the water. That's how you know where to cast your line. Ok. Donc on a une autre canne à pêche. Ah, le voilà peut-être le dernier. Hey, bro. Hey, but, salut, mec. I'm not a bro. My name's Kai. I run a kiosk near Town Square. It's like a pop-up shop. What do you sell? Oh, dude, you have to see it to believe it. I only sell the most killer stuff I find off island. Come by and check it out. But, like I say, if you fall in love with something, better get it. The merchandise is just whatever feels right in the moment. You know? Okay. Ça y est, on a rencontré tous les habitants. On va pouvoir retourner voir le maire pour prendre notre récompense. Ah, just who I was hoping to see. Who? Me? Here, take this to Hazel. Oh, I couldn't. Nonsense. Take it. Your grandma and I have a friendly pie rivalry of sorts. This is my answer to her last move. A devastatingly perfect key lime tart. I bake with love. But I also bake to win. Okay, I'll make sure she gets it. Let me know how she likes it. Okay. Donc on a découvert tous les villageois. On va aller voir peut-être sur la plage. On va aller reparler. Non, on l'a fait. Alors... How's the farm? Are you inundated with chores yet? There's not that much to do, honestly. The farm seems so much smaller now that I'm an adult. When I first came here, I didn't think I'd have much work either. But living things, plants and people, are always growing, changing, becoming run down. And caring for them takes a lot of time. Okay. Même le cabinet médical est très sympa. Hein. Hop. On va aller là peut-être. Je peux pas y rentrer. Ok. On a différentes quêtes, hein. Les patates, on a le jeu des rencontres. Ah oui, il faut que j'aille voir le maire. Pêcher, du bois, les patates à surveiller, les quêtes qu'on a prises sur le tableau, le nembé du mystère, donc c'est les plantes pour la mamie. Et on a un nouvel onglet ici, qui est voilà, les différents poissons qu'on doit pêcher. Donc il y en a quand même pas mal. Donc, je pense qu'on va avoir des petites collections comme ça avec des insectes, etc. Donc, hop, on va continuer.
Je ne peux pas passer par là. Alors, au niveau de la carte, il faut que j'aille dans la forêt. Et je ne me rappelle plus évidemment où c'est. Donc, hop, on va aller se balader sur la plage. Voilà, on a le maire. Tant mieux, il tombe bien. Wonderful! The last citizen has let me know that you've been introduced. As promised, here is your reward for playing our little game. We hope it helps you acclimate. De l'argent. Thanks. Money's great too, though. Ok. Donc on a gagné de l'argent pour avoir parlé à tous les villageois. Alors j'allais par là. Je ne sais plus où est la où est le bois. Je pense que c'est en haut à droite. Là, hop. On va caresser le petit chat. Hey there, kitty. Ok. On est dans le bois. Alors, on a des petits champignons pour... il en faut 5. J'en ai 5 sur 6. Pas évident à dire avec mon problème de mâchoire. Donc des coquillages, voilà. Des plantes à la pleine lune. Donc on va regarder ça de plus près. Et c'est ici qu'il faut qu'on pêche. Ok. Il y a quelqu'un ici. Hop. Hop. La petite. Non. Est-ce que je peux pêcher? Oui. Alors comment marche la pêche? Oh, c'est assez simple, hein. Ok. Un poisson tacheté que l'on trouve près des bois. C'est une prise commune. Tu peux la vendre à Bruno ou cuisiner avec. Ok. On va retenter. Est-ce que je peux? Yes. 3 fois. Je reviens que j'attrape un autre poisson. Non bleu. Ok. On va essayer une troisième fois. Il n'y a plus de poisson. On peut pas. Hop. Là, on peut. Hop. Il n'y a pas de mini-jeu particulier pour le... On a fait la pêche. Ok. Il n'y a pas de mini-jeu comme on voit à chaque fois. Donc c'est très bien comme ça, je trouve. Hop. Je pense que c'est des petites plantes pour notre grand-mère, des fleurs de lune. Hello? Ooh. Who's there? I probably shouldn't spy on strange people creepily creeping through the woods at night. Je devrais pas, mais je le fais. Oops. Come on, Elder Hazel. Don't rush me, I'm coming. Grandma? Where did she go? She shouldn't be out here at night. Elder Hazel, this is the third time you've come to the struggle without your robe and mask. This is an unacceptable risk. Bah, it's time for us to come out of hiding.
The town won't be afraid of witches if they know that we're their neighbors. People seem nice until the day comes when they need a scapegoat for their troubles. Then people become mobs. Well, I didn't bring Tara here so she could skulk around like she's doing something wrong just by being who she is. So you think your intuition was right then? She has the gift? When will she be ready to join us? Join them? Give you something? Uh-oh. Attendre que Manny revienne pour l'interroger sur la forêt. On va se balader un petit peu. Est-ce que j'ai eu les fleurs de lune de la mamie? Alors, il manque toujours champignons. Alors, pour les algues. Ça doit être sur la plage. Là, c'est sur la plage. Et ça... du terreau, d'accord. Mais écoutez, on verra ça. On va attendre la grand-mère. Hop, ramasser. On va rester dans le coin. Tu fais quoi, mamie, hein? Donc on va avoir énormément d'énigmes. Hein. On l'a vu. Donc on serait une sorcière. On ne le saurait pas nous-mêmes, mais apparemment on est une sorcière. Ok. Elle est sortie, mamie, ou pas du tout? Attendre que mamie revienne. Ok. Je pense que cette petite minette, on va pouvoir l'avoir à la maison après, hein. Elle est peut-être à la maison, la grand-mère. On va aller voir. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la démo. Donc, je pense que le jeu viendra dans ma poche dès qu'il sera sorti. Parce que c'est le genre de jeu relax, très sympa, très cool à faire. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec des jeux un petit peu plus sophistiqués, avec des combats et autres, je pense que... Alors, ben on va se coucher. Hein. Am I ready for bed? Note. On va attendre. On va regarder s'il y a des trucs à ramasser. Je voulais pas couper le petit arbre. La grand-mère est très secrète. Hein. On a encore un petit peu d'énergie, donc on va la gaspiller. Façon de parler. Ok. On le fera le lendemain, ça sera la partie 3, je pense. Alors, on va aller se coucher et on va attendre. Hop. Je pense que oui, tu es crevé. On va faire dormir et on va voir ce que la grand-mère nous dit le lendemain et on en restera là pour cette partie 2 et on fera une partie 3, bien sûr. On est jeudi, voire peut-être 4. À savoir combien dure la démo. Ok, on va aller questionner notre grand-mère. Hein. Alors déjà, on va lui donner sa plante. Oui.
she'll need plenty of sleep. Even my cooking is no match for a good night's rest. But Grandma, you're the one who should be resting. I don't want you troubling yourself to cook for me. Ah, is that your way of trying to get my recipe book? Did Sophia put you up to it? She's always trying to get a peek at my recipes, but you can tell her they stay in the family. I hide my recipe book in the stove. She never thinks to look in there. Go on, try one. Okay. Well, which one is your favorite? I am quite partial. Un risotto aux champignons. Alors, il faudra aller acheter du riz, ramasser les champignons, nana, mais il faudra aller acheter du riz pour pouvoir faire le plat préféré de notre grand-mère, ok? Ensuite, Grandma, I said I would make you your favorite recipe, and I meant it. I just need a few things. You can't grow rice yourself around these parts, but you can pick some up at Lena's store, too. Your wish is my command, Grandma. Oh, you're too good to me, honeybee. On va lui parler de ce petit secret de nuit, là. Grandma, so, can we talk about the fact that I saw you with some people in masks and robes in the woods last night? It would be nice to talk after I've had some tea. Grandma! Oh, yes, some tea would really hit the spot. Alors, prépare du thé revigorant pour mamie. Ok. Alors, hop. Comment je fais du thé, moi? C'est elle qui le fait, non? Alors, on a le menu cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Crudité, soupe, boisson. On a ce qu'il faut, donc on va lui faire un thé, hop, voilà. Donc ici, on a dans le menu cuisine, on a donc les recettes, tout ce qu'on peut faire en fait, les boissons, etc. Donc ça, c'est bien foutu, hop, on va lui donner son thé, pour savoir exactement, on peut savoir ce qui s'est passé la nuit d'avant. Oh my, you make a very... potent brew. Here's that key to the basements that you asked about. But the hooded strangers? Go on down, my dear. It'll all make sense, I promise. Découvrir ce qui se cache sous la trappe en dessous du tapis. Ok, ben écoutez, on va en rester là. Je vous laisse le petit mystère, je vais le tourner en suivant. Donc il y aura toujours le problème de mâchoire. Donc j'attends vos retours, évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit pouce en l'air, le blabla le quotidien, laissez un commentaire, je vous répondrai toujours. Dites-moi si le jeu vous le trouvez sympa ou pas du tout, c'est pas votre style, ou si vraiment vous l'aimez bien. Et dans la partie 3, on ira voir ce qui se passe sous à la maison, dans cette trappe qu'elle nous cache. Il y a beaucoup de mystères quand même, elle est quand même un petit peu secrète, la grand-mère. Donc on se retrouve pour la partie 3, et puis ben écoutez... des bisous et à très vite. Bye bye.